Fantasia is a showcase of all the genre movies from all over the world that have not been distributed yet, yet unreleased. We're featuring premieres, independent films. We have, you know, anything that is out of the ordinary, really. It's a really, really strange, eclectic mix. Uh-huh. The unclassifiable, the eccentric, perhaps the damaging, perhaps the inspirational. C'est l'imaginaire. C'est principalement basé sur l'imaginaire. Les autres festivals de films sont plus sérieux, plus intellectuels, plus films d'auteur. Et on a réalisé qu'il y avait de la place pour un festival de genre, un festival donc d'action, d'humour, de comédie, de documentaires, d'arts martiaux, d'horreur, de science-fiction. Je vous conseille de venir faire un tour à Fantasia, un festival qui est en train de battre des records d'assistance à Montréal. Oh mon Dieu, il y a du monde, il y a du monde. Il faut se défâcher ses billets à peu près 48 heures avant le film et ensuite on fait la queue pour entrer au cinéma. Mais il y a de la place, mais il y a du monde. C'est hallucinant, c'est très populaire. Allez-y parce que c'est des salles du tonnerre, l'ambiance est hallucinante, les gens répondent. C'est vraiment le party à chaque film. The shows sell out very quickly. Lynn, Fantasia is the event of the year for thousands of Montrealers. They're all rushing down to see these films. Claude, il n'y a qu'un seul festival comme Fantasia. Et on sent par la réponse qu'il y a que les gens ont envie de ça. On se bouscule au guichet. Paul Toutain nous parle de ce qui est devenu vraiment un événement. Ils seront 75 000 cette année à faire la queue devant l'Université Concordia pour se repaître de films tournés en Asie, mais aussi ailleurs dans le monde. Fantasia est devenu le rendez-vous incontournable des amateurs de films fantastiques, un genre qui a ses inconditionnels. Le public de Fantasia est composé de jeunes adultes hautement scolarisés. Est-ce qu'il faut être connaisseur d'un certain genre de film pour apprécier le festival? Je pense pas, non. Je pense que ça peut être ouvert à tout le monde. Puis l'important, c'est d'aimer les films un peu différents des films américains. I came to Fantasia the first year. It started in 1996, and I came back every year because I became hooked. I think the thing that's great about the Fantasia Film Festival is they are ahead of the curve in terms of bringing things to this, both to Canada and to America that haven't really played here yet. European films, Asian films, it's a great way to sort of stay ahead of what's coming and what's going to be talked about in the future. Le réalisateur John Carpenter est venu présenter son film d'horreur intitulé John Carpenter's Vampires. Il a eu droit à une ovation debout exceptionnelle, semble-t-il, de la part du public montréalais.